Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul action. Alors excusez ma coupe de cheveux, mais il est tard. Mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo là puisque je vous en prépare une autre dans le week-end effectivement. Donc j'ai trouvé quelques nouveautés. Donc Stéphanie, bien entendu, j'ai pensé à toi, c'est dans ton carton. Tout d'abord, ça y est, je les ai enfin trouvés. Les fameux tampons Dyes de Noël. Donc, ils sont 4 en tout. Donc je vais pas vous les détailler, parce que je pense que vous les avez déjà vus sur plein de hauls des copines. Donc voilà, ils sont arrivés. J'en ai pris pour toutes celles qui m'avaient demandé. Donc c'est bon les filles, c'est prêt, ça va partir. Je vais préparer les envois dans le week-end. Alors certaines c'est parti cet après-midi, d'autres ça partira lundi. Voilà. Donc ils sont toujours au prix de 1,99 pièces. J'ai également trouvé ce bloc. Alors il me semble que c'est des blocs de l'année dernière. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Donc du coup, je l'ai pris en double. Voilà. Au prix de... Est-ce que je vais avoir le prix là? Oui, 95 centimes pièce. Donc voilà. J'ai pris des petites boules. Alors oui, je sais, Noël, c'est pas tout de suite, c'est tôt. Mais j'ai trouvé des toutes petites boules. Argent, or et noir. Hein, avec du blanc. Donc excusez-moi pour la lumière, hein, mais il est tard. Donc voilà. Et j'ai pris la même chose, plus dans les tons argentés. J'ai acheté des enveloppes blanches. Comme ceci, parce que dès que je vais avoir 2 minutes, je vais me mettre à tamponner tous mes tampons et à les ranger à nouveau comme correctement en jouant avec ma fuse. Donc ils sont déjà rangés, ils sont déjà dans des boîtes en plastique, mais ça c'est pour la suite. Donc j'en ai pris 3 paquets. On va continuer avec les nouveautés. Donc ça y est, ils sont enfin arrivés, nos fameux embellissements, je vais y arriver. Avec les petits tampons. Donc ça y est, on les a. Donc j'ai pris 2 marrons. Un dans les tons vert et bleu. Un dans les tons de bleu. Un dans les tons rose. Un dans les tons violet et rose. Il y avait également le orange, je ne l'ai pas pris, j'aurais dû, donc quand il y en aura à nouveau dans mon action, j'en reprendrai en orange. 99 centimes pièce, voilà. J'ai également acheté des porte-documents A4, donc là, toujours pareil, c'est pour continuer pour mes tampons avec ma fuse. Ceux-là, je les ai payés 95 centimes. Alors, je continue. Ensuite, en nouveauté, j'ai trouvé... Enfin, ils ont remis le simili cuir. Il y avait donc dans les tons, marron et dans les tons bleu et argenté. Et ça, c'est au prix de 1,19€. Et je crois que c'était déjà le même prix la première fois qu'ils nous les avaient sortis. On va continuer dans les nouveautés, du moins ce qui est arrivé dans nos actions ici. Donc ça y est, on a reçu les petits embellissements comme ça, dans les petites enveloppes. Donc en plus, ce qui est sympa, c'est que du coup, les enveloppes, on va pouvoir les relooker et les réutiliser pour autre chose. Donc moi, j'ai déjà ma petite idée. Alors, il y a... Alors par contre, c'est collé. Excusez-moi pour le bruit, je voulais vous montrer. Cette... colle sur le... Ah bah oui, c'est collé carrément. Voilà, donc en plus, comme je vous ai dit, on peut récupérer l'enveloppe dans les mini-albums. C'est sympa, ça fait double utilisation. Donc là, il y a les petits papillons. Donc là, par contre, je croyais qu'ils étaient en 3D et pas du tout. Donc ils sont comme ceci. Par contre là, ils sont pas en 3D du tout. Je vais essayer de vous en décoller un. Donc voilà, c'est un embellissement tout simple. Donc, il fera de son plus bel effet sur les pages. Donc, j'ai trouvé les petits papillons, les petites bannières, les petits fanions. Voilà. Donc là, ceux-là, par contre, ils sont en 3D. Vous voyez, on les voit là. Je ne vais pas tous les ouvrir.
Et j'ai trouvé les petites clés. En tout cas, moi, j'ai pris ça pour moi. Il y a également les petites marguerites, et les petits lamas et les petits paresseux. Je ne les ai pas pris pour moi, mais bon, voilà, peut-être que je les reprendrai. Et c'était 79 centimes pièce. J'ai également trouvé deux dies. Donc, bien entendu, pas en promo, mais ça, je m'y attendais. Hein, la semaine dernière, qu'ils étaient en promotion, on ne les a pas eus. Et là, ils sont à plein pot, donc on les trouve. Donc, j'ai trouvé le cerf. Et le papillon. J'ai pris que ces deux-là parce qu'en fait, je tenais à remercier particulièrement Fanny et Gwen pour avoir fait leurs actions la semaine dernière et m'avoir trouvé les dice. Donc, bah, il ne m'en manque pas beaucoup. Je crois qu'il m'en manque à peine 8 ou 9. Donc, je vais essayer de les trouver. En tout cas, merci beaucoup les filles. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes super gentille d'avoir pensé à moi et de bien avoir voulu faire vos actions pour les trouver. Franchement, c'est super sympa. Et comme quoi, il y a encore de la solidarité entre scrappeuses. On continue sur les nouveautés. Là, dans le rayon Noël, j'ai trouvé les nouveaux washi tape Noël. Donc, on a du vermante. On a dans des couleurs plus traditionnelles. Comme ceci. On a dans du noir et du doré. Alors, un doré très léger. Moi, j'aime bien quand c'est pas très, très, très flashy. Quand le doré est léger comme ça, ça me va bien. Et dans le ton, toujours vermante bleu et argenté bailleté. Voilà. Et ceux-ci, ils sont au prix de 94 centimes pièce. J'ai également trouvé, donc c'est des découpes sapin en bouleau, donc bois, voilà, et en forme d'étoile. Ensuite, je vous le montre, vous allez vous dire, elle est folle. J'ai trouvé un support, alors des petits crochets, donc je vous en dirai plus dans quelques temps, vous comprendrez pourquoi j'ai pris celui-ci, au prix de 4,95 il me semble. Et j'ai également trouvé celui-ci. Donc moi, je vais défaire les petites breloques là parce que je vais en avoir... je l'ai pris pour une autre utilisation et celui-ci s'allume. Donc là, j'ai pas mis les piles, mais pareil, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je vous en reparlerai dans un petit moment. Voilà pour le dernier haul action. La vidéo va se dérouler en deux parties parce que du coup, je ne vais pas la publier vu l'heure tardive. Et je retourne à Nose demain matin. Donc je remercie d'ailleurs Manon, la responsable de mon action, qui m'a dit de revenir demain matin parce que la livraison était cet après-midi. Donc quand je suis passée, la livraison avait été faite mais pas mise en rayon. Et elle m'a dit de revenir demain matin pour que j'aie certaines nouveautés en scrapbooking. Je remercie également les personnes des groupes sur lesquels je demande les codes barres ou les numéros des articles qui commencent par 25. Franchement les filles, vous êtes au top, changez rien. C'est super gentil de pouvoir nous donner ces références parce que bah, en fait grâce à ça, on peut aller commander dans nos actions. Et moi, j'ai la chance d'avoir une responsable qui est adorable et qui, grâce à la référence, du coup, commande pour le magasin. D'où l'importance du numéro par 25 ou du code barre. Et du coup, je dois aller demain matin à l'ouverture pour que elle puisse, que je puisse voir en avant-première, en fait, les nouveautés arrivées et que je puisse me servir avant qu'elle mette tout en rayon. Donc voilà, pour ce soir, c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Bye bye les filles! Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul action. Ce matin, je suis allée donc dans mon action faire des petits achats et des achats pour Stéphanie en même temps, dont le sac est ici, vous voyez le gros sac action. C'est un sac qui va repartir sur l'île de la Martinique. Donc voilà, donc je vous montre les achats du jour avec les nouveaux tampons spécial bullet journal. Donc j'en ai pris, alors en fait il y a 4 modèles différents, donc il y a celui-ci, il y a celui-ci, avec les jours de la semaine et tout ça. Alors c'est pas bien, ils ont mis
Sur le tampon bois, ils ont mis un dessin holographique. Du coup, on voit mal. Ça reflète. Je vais vous en ouvrir un pour que vous puissiez voir la taille du tampon en lui-même. Pour une fois, ils sont relativement grands. Enfin, ils sont de la bonne taille, on va dire. Pour les avoir vus sur la chaîne de Sandy, ils sont de la bonne taille. Donc, celui-ci, c'est Monday, Tuesday, Wednesday. C'est les jours de la semaine. Donc, vous voyez, ça, c'est la taille du tampon. Donc, ils ont une taille raisonnable. Donc, sur celui-ci, on trouve les jours de la semaine. On trouve une plume, un ballon, le mot week-end, le mot oulala, ou oh là là, comme vous voulez. Ensuite, vous avez celui-ci. Et celui-ci. Et les tampons bois sont au prix de 1,58€ pièce. Ensuite, quand j'avais repris, enfin dans la précédente vidéo, vous avez vu que j'avais trouvé du faux cuir fantasy. Il me manquait le doré et blanc. Donc voilà, c'est chose faite. Je l'ai repris. Le voilà. J'ai également retrouvé un dies. Donc dans cette série-là, dans les oranges, ma série est complète. Celui-là, c'est le Merry Christmas. Je l'ai payé 1,49€. Les autres, il y en avait plein. Les autres, je les avais déjà. Donc, je n'ai pas repris. Je vous avais également dit que je n'avais pas pris le set de pompons dans les tons orange. Bah, finalement, ce matin, je me suis laissée tenter. Je l'ai pris. Voilà. J'ai repris des petits embellissements dans les petites enveloppes. Donc, j'ai repris des petits fanions. J'en ai repris deux. J'ai repris un papillon. Et il me manquait les petits paresseux. Donc, je l'ai pris. J'ai également trouvé... Enfin, elles étaient en train de les mettre en rayon, en fait, les filles. Donc, on le trouve au rayon loisirs créatifs et pas au rayon Noël. Alors, ça dépend des actions. Moi, le mien, c'est au rayon loisirs créatifs. Il y en a d'autres, je crois que ça va être au rayon Noël. Ils appellent ça des glitter balls. Donc, c'est des petites boules blanches pailletées, irisées. J'ai payé ça 58 centimes. J'ai également trouvé des stickers en forme de rond, triangle et étoile. Donc, il y a doré et noir. Et j'ai payé ça 84 centimes pièce. Il n'y a pas de argenté, il n'y a que doré et noir. Du moins dans mon action. Après les autres, je ne peux pas vous dire. J'ai repris un bloc 30-30 comme ceci. Donc, le light texture. Également trouvé les deux blocs Disney Foil qu'il me manquait. Donc le mini. Le oh là là, mais ça va pas bien. Le Winnie, pardon. Et le Princesse. Donc là, c'est bon. Il y a 14 modèles. J'ai les 14. Donc je suis parée. Et je vais pouvoir travailler. J'ai également trouvé ceci dans le rayon beauté. Donc c'est du Body Shimmer Dust. Donc en fait, c'est des petits flacons de paillettes. Donc, je vous avoue, hein, moi, c'est pas pour mettre sur le corps. C'est pour voir ce que je vais pouvoir faire en scrap avec. Je vais voir si ça tient sur des créations en finition. Donc, il y a rose, comme ceci, et blanc. Il n'existe que ces deux couleurs-là. Enfin, moi, j'ai vu que ces deux-là dans le rayon. J'ai également trouvé des paillettes au rayon enfant, des tubes de paillettes. Alors, il y en a, j'ai déjà, forcément. Mais il y a des couleurs qu'on ne trouve pas tout le temps, comme celui-là. Alors, ça brille un peu. Le vert ici et le rose là. Il y a même du noir irisé. J'ai payé ça. Donc, 79 centimes. J'en ai pris deux. Donc là, je vais avoir de quoi faire. Je vais passer aux nouveautés parce que j'ai aussi trouvé des nouveautés. Donc, j'ai trouvé des embellissements en feutrine, par contre. Ça s'appelle Gingerbread. Donc, c'est des petits bonhommes à pain d'épices avec la petite maison. Il y a coloris comme ça et coloris comme ceci. Donc, celui-là, je l'ai pris en double. Par contre, celui-là, je l'ai pris 1, 2, 4 fois. Et je vais vous dire le prix. J'ai payé ça 79 centimes pièce. J'ai trouvé les nouveaux pochoirs. Donc là, par contre, je suis fan. J'ai trouvé les pochoirs. Donc, ça, il y a 6, 7 différents. Dans chaque set, vous avez 5 pochoirs.
Donc là, je ne vais pas tous les sortir parce que ça va faire énormément de bruit. Je vais vous montrer la photo au dos. Donc il y a le premier avec au dos les modèles que vous pourrez trouver dans ce set-là. Après, vous avez celui-ci avec les roses, il est super joli. Avec les modèles également dans le set. Vous avez celui-ci. Avec les modèles au dos qu'il y a à l'intérieur. Celui-ci. Derrière, celui-là, il est plus axé thème mère. Voilà. Celui-ci avec les notes de musique. Derrière, vous allez trouver du trèfle, des petits nœuds, des cœurs, des petites couronnes. Et enfin, le dernier, qui est plus géométrique. Au dos, vous avez ces modèles. Et j'ai payé les pochoirs 75 centimes pièce. On va continuer avec deux nouveautés pour moi. Donc, j'ai trouvé des nouveaux masking tape. Alors, peut-être que comme ça, c'est mieux. Avec les planètes, le blanc où il y a les lunes, les quartiers de lune, c'est écrit « I love you to the lune », je suppose. Voilà, vous avez celui-ci, plus dans les tons de rose. Vous avez également celui-ci. Là, ce sont des plumes. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Là, il y a des petits cœurs. Ensuite, vous avez également celui-ci. Alors, sur le verre, c'est écrit « Seal ». Et enfin, le dernier. Et le dernier se porte très bien pour les bullet journal, du coup. Parce que sur celui-ci, le noir, en fait, on a les jours de la semaine en anglais. Mais bon, on a les jours de la semaine. Ah non, j'en ai oublié un. Et le dernier, qui est celui-ci. Et c'est pareil, sur celui-ci, on voit que c'est écrit « tout doux ». Donc, pour les listes, voilà. Donc, ça, c'est toujours le même prix. Ça, c'est de mémoire 84 centimes. Non, pardon, 89 centimes pièce. Deux autres nouveautés, enfin, moi je ne les avais pas vues. C'est des stickers 3D au rayon Noël sur le thème Disney, enfin dessin animé. Parce que moi j'ai pris Disney et donc c'est La Reine des Neiges. Et l'autre que j'ai pris, alors il y a des petits. Vous voyez, il y a des petits sequins à l'intérieur. Et celui-là sur le thème Pas de patrouille. Et ça, c'était au prix de. 79, non je vous dis n'importe quoi, c'était au prix de 99 centimes pièce. Il y avait d'autres modèles, je crois qu'il y a les mignons, il me semble, et il me semble que j'ai vu un autre Disney, je me souviens plus lequel c'est, mais de toute façon je dois repasser en chercher pour une amie, donc je regarderai et je vous les représenterai dans une autre vidéo. J'ai également trouvé, comme l'année dernière, ils avaient fait des sets de cartes, toute prête avec du foil en plusieurs coloris. Il y avait argent, argenté, doré, vieux rose gold, pardon, et cuivré. Là, cette année, ils ont remplacé le cuivré par le bleu. Et du coup, les modèles ont également changé. Puisque ça, ce sont les modèles que l'on va trouver à l'intérieur. Donc, comme base de carte, c'est pas mal. Hein, il n'y a plus qu'à... Comme fond, c'est bien, je trouve. On n'a plus qu'à les décorer, donc à voir ce que je vais en faire. J'ai ceux de l'année dernière que je n'ai pas encore utilisés, donc on va voir. Donc cette année, du coup, je l'ai pris qu'en bleu et je l'ai pris en rose gold. Et c'est les mêmes modèles. J'avais deux autres petites choses à vous présenter. J'ai repris un rouleau de tape, enfin ils appellent ça du tape, diamant, or, mais du coup or clair. Ça je l'avais pris l'autre jour, je l'ai retrouvé au fond de mon sac donc je ne me rappelle plus du prix. Et ils ont sorti des nouvelles guirlandes à LED. Vous vous rappelez l'année dernière on avait les guirlandes comme toutes les guirlandes LED hein, qu'ils font, qu'on peut un peu travailler tout ça. Là cette fois en fait c'est des filaments, donc c'est une guirlande en hauteur.
comme ceci. Donc j'en ai pris une. Je vais tester dans mes centres de table pour Noël et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, et ben ce haul action est terminé. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !